outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de décoration de notre sapin. Il était important pour moi de mettre d'abord la décoration en place dans le salon avant de trouver le meilleur endroit pour poser mon sapin. Donc, j'ai pensé que ça devait être mieux côté salle à manger. C'est vrai que l'année dernière, j'ai mis mon sapin du côté salon, mais cette année, je trouve que cette partie-là est déjà assez touffue avec la petite décoration que j'ai mise en place. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire, j'espère qu'elle va vous inspirer, j'espère qu'elle va vous permettre de faire un joli sapin sans trop dépenser. D'ailleurs, le sapin que j'utilise cette année, c'est le même que celui de l'année dernière. Je n'ai pas acheté de sapin, j'ai réutilisé, il y avait tellement de poussière là-dessus, j'ai pris, j'ai trempé, j'ai lavé, j'ai séché. Donc, c'est le même que je vais utiliser. Donc, on peut faire avec ce qu'on a. Juste bien entretenu. Vous verrez certaines boules sur le sapin. Ce sont des boules que j'ai juste rebombées avec la peinture. Il y avait des couleurs rouges, violettes, vert. L'année dernière, j'avais toutes sortes de couleurs de boules. Donc cette année, j'ai rebombé certaines en or, d'autres en argent. Pour celles qui tombent sur la vidéo pour la première fois ou ceux qui tombent sur la vidéo pour la première fois, je m'appelle Nathalie, je suis maman de deux filles et j'ai créé cette chaîne pour partager avec les mamans le quotidien d'une maman. C'est pourquoi vous allez trouver le ménage, la cuisine, la décoration, un peu de décoration d'ailleurs, l'organisation de maman. Donc je vous souhaite bienvenue, surtout abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos que je vais publier. Likez la vidéo. Commencez par liker la vidéo pour me motiver. Ça va me motiver à continuer à vous produire du contenu. Donc, on va décorer le sapin. Je vais le faire avec les enfants. Donc, elles sont souvent très motivées, très contentes quand on fait le sapin. Surtout, Noël, c'est la période des enfants. En fait, moi aussi, j'aime Noël comme un enfant. J'aime... J'aime Noël, mince. Quand décembre arrive comme ça, aïe, je suis toute contente. En fait, j'aime décorer le sapin, j'aime voir les enfants sourire. J'aime cette ambiance-là, une ambiance festive. Hein? C'est vraiment trop tôt. Donc, arrêtons de trop parler, allons décorer. Soulever le sapin en posant quelque chose en dessous. J'ai opté pour ce carton où est sorti le filtre que je vais recouvrir avec un papier cadeau en retournant. Vu que le papier cadeau n'a pas les couleurs que je veux, je préfère retourner pour que ça fasse une couleur argentée. Par la suite, je me suis rendu compte que ça me faisait le sapin très haut. Déjà que le sapin n'est pas touffu, le bas du sapin n'est pas touffu. J'ai préféré réouvrir le carton, mettre le pied de sapin à l'intérieur et bien recouvrir avec le papier cadeau. Pour tout sapin, il est important de bien ouvrir les branches. La meilleure étape pour décorer un sapin, selon moi, c'est de commencer avec les guirlandes lumineuses. On les allume pour mieux voir ce qu'on fait et où on les met. On met la guirlande lumineuse. Après, on met les simples guirlandes. Quand vous avez un petit sapin comme le mien, il est important de bien ouvrir les branches, de bien les tirer. Sinon, ça sera vraiment vide. Déjà que même quand on le fait, on voit que le sapin est vide. Cette guirlande-ci n'est plus à la mode. Je l'utilise juste pour fermer le sapin et que ça n'ait pas l'air trop ouvert à l'intérieur.
Avec les enfants, on pousse les boules. On essaie de bien les repartir sur le sapin. Ensuite, je vais venir mettre ces nœuds. Vu que je n'ai pas de ruban pour le sapin, je n'ai pas un bon ruban qui va aller avec ce sapin, je vais venir mettre les nœuds de part et d'autre du sapin pour que ce soit beau. Au sommet du sapin, je mets un dernier nœud, vu que je n'ai pas d'étoile, je n'ai pas de pic. Donc je vais mettre ce dernier nœud et je trouve que le rendu n'est pas mal. Après tout ceci, on constate qu'il y a le bazar. Il est important de faire un léger ménage pour laisser l'espace propre. La guirlande lumineuse que j'ai achetée, je vais la mettre sur le rideau. Je vais la connecter directement sur la guirlande qui est sur le sapin avec un bout extensible. Ces guirlandes sont faites de telle sorte qu'on puisse étendre sans plus avoir besoin d'une prise. Et voilà le rendu, je trouve que ce n'est pas mal. Ça fait un sapin tout petit, mais efficace. Vous voyez finalement comment j'ai mis le sapin dans le carton. Ça fait un joli pied de sapin quand même. Arriver à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a donné des idées pour faire votre sapin. Donc, n'hésitez pas à me donner un pouce bleu, donc liker, partager cette vidéo parce que elle peut aider d'autres personnes en panne d'idées pour décorer leur sapin. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!